boussole, c'est un instrument qui permet de garder le cap, de suivre une trajectoire, de ne pas sortir de sa route, de ne pas sortir de son chemin. Et ça fait partie intégrante du métier, des métiers de KPMG. Donc on accompagne nos clients qui sont des entrepreneurs, des dirigeants, des entreprises. Et on les accompagne dans leurs projets de développement. Donc c'est un thème effectivement qui a un vrai sens pour nous. Tout d'abord, on est là par plaisir. Le plaisir de retrouver tous les écosystèmes lyonnais, les participants à l'économie locale. Ça fait 18 mois qu'on est tous éloignés les uns des autres, donc d'abord le plaisir. Ensuite, on est très fiers d'être pour la première fois partenaire de l'Odyssée des entrepreneurs. Notre boussole nous emmène vers l'innovation, hein, le cap de l'innovation. Et on a voulu que notre stand d'aujourd'hui ici soit le reflet de ça. Donc nos visiteurs peuvent travailler sur leur avis et leur projection sur le futur dans notre cellule temporelle, où on pose des questions sur la RSE, sur l'entreprise de demain, sur leur vision de l'avenir. Et dans un an, on leur enverra la vidéo de la réponse à leurs questions pour qu'ils puissent comparer à ce qui s'est passé sur 2022. On a deux enjeux majeurs pour 2022. Premièrement, inscrire la RSE dans notre performance et dans notre développement et notre business model. Et deuxièmement, c'est ancrer la performance économique dans une logique de sens pour qu'il y ait une adhésion encore plus forte, un engagement plus fort de la part de nos collaborateurs. C'est quelque chose qui est lié à l'attractivité de l'entreprise, à son impact sociétal, à son impact environnemental. C'est quelque chose qui est très important pour nos salariés et du coup, on souhaite renforcer cet aspect-là. Et pour vous donner un exemple, on accorde à nos collaborateurs 6 jours par an pour s'investir dans des associations et dans des fondations, pour faire du mécénat de compétences, pour qu'ils puissent, eux, également exprimer leur envie de participer à la société et avoir un impact positif autour de nous. Et on va également organiser un Make a Difference Day en octobre, qui est une journée où l'ensemble du cabinet, donc on est 10 000 partout en France, l'ensemble du cabinet va pouvoir passer une journée auprès d'associations locales pour s'investir pendant une journée sur des thématiques environnementales.